Salut, c'est Jérémy, bienvenue sur cette chaîne Liberté, Finance et Frugalisme. Elle est dédiée à ton indépendance financière et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler de ma méthode d'investissement. Enfin, ma méthode, c'est pas du tout la mienne, mais c'est celle que je mets en pratique pour acheter des produits sur de la bourse. C'est parti. Bienvenue sur cette chaîne, elle est dédiée à ton indépendance financière. Si tu veux arriver à en faire plus avec moi, si tu veux apprendre intelligemment comment générer des revenus alternatifs, que ça passe par de l'immobilier, de la bourse ou de l'entrepreneuriat, c'est important d'avoir d'autres sources de revenus qu'uniquement ton salaire, parce que si tu n'as que ton salaire, et ben c'est comme un avion qui n'a qu'un seul moteur. Le jour où le moteur tombe en panne, l'avion tombe par terre. Et ben on veut éviter ça, donc on va essayer de te comporter comme un avion très léger, c'est-à-dire que tu vas réduire tes besoins d'argent, d'accord? Et cet avion va lui rajouter plein de moteurs, plein de petits moteurs. Je préfère avoir plein de petits moteurs qu'un gros moteur dont je serais dépendant. Plein de petits moteurs, si l'un des petits moteurs tombe en panne, eh bien, pas de problème, je pourrais réussir à me poser en toute sécurité, faire mes réparations et puis repartir de plus belle. C'est ça la manière avec laquelle j'essaye d'envisager mon indépendance financière et c'est bien évidemment l'état d'esprit avec lequel j'essaye d'aider les membres de ma formation. Si tu veux plus d'informations, eh bien, il y a tout en description de la vidéo. Si tu veux nous rejoindre sur le programme, il y a les liens, etc. Et il y a également un lien qui te permet de m'appeler, qu'on prenne rendez-vous ensemble pour discuter de tout ça, voir de quelle manière je peux t'aider à t'engager dans cette voie-là. Je précise que cette formation, elle comprend également 4 heures de coaching personnel entre toi et moi et également des séances de coaching collective. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais te parler justement de ma méthode. Enfin, ma méthode, c'est pas du tout la mienne, mais c'est celle que je mets en application. Il s'agit d'une méthode qui s'appelle la méthode DCA. La méthode DCA, ça veut dire Dollar Cost Averaging, ce qui veut dire littéralement le coût moyen du dollar. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est un monsieur qui s'appelle Benjamin Graham, qui est très connu pour avoir écrit un des livres sur l'investissement qui fait autorité dans le monde entier et qui s'appelle L'Investisseur Intelligent. Benjamin Graham, c'était le mentor de Warren Buffett, peut-être que tu le connais ou tu en as entendu parler, c'est un investisseur qui est très célèbre dans le monde entier, et qui est richissime également par ailleurs. Bon, chacun son truc, mais en tout cas, c'est ça qu'il faut comprendre. Cette méthode-là, c'est pas moi qui l'ai inventée, c'est une méthode qui fait référence à ça depuis longtemps. Cette méthode, elle consiste à appliquer les règles suivantes. 1. Tu investis tout le temps la même somme d'argent. 2. Tu investis à la même période, c'est-à-dire régulièrement la même somme d'argent, et 3, tu l'investis sur un même actif. C'est vraiment ça qui est essentiel de comprendre. En fin de compte, le but de cette méthode, en investissant régulièrement, en achetant régulièrement, que le marché soit à la hausse ou à la baisse, eh bien, ça va te permettre de te prémunir contre ce qu'on appelle la volatilité d'un actif. La volatilité d'un actif, on voit là, ils l'ont montré avec les crypto-monnaies, un jour le truc il est là, le lendemain il a pris 10%, le lendemain il en a perdu 20%, et je veux dire émotionnellement, c'est les montagnes russes quoi. Si tu suis ce truc là tous les jours, faut être bien accroché parce que l'ascenseur émotionnel c'est rock'n'roll. Bon, si tu mets en place la méthode d'investissement DCA, c'est-à-dire que tu vas même pas te poser la question de savoir si les marchés boursiers vont être à la hausse ou à la baisse, puisque de toute façon, quoi qu'il arrive, tu vas l'acheter. La raison pour laquelle tu vas t'enrichir in fine, elle est que si on regarde l'historique des cours du marché, eh bien, ils finissent par monter. Et là, pour ça, on peut se baser, par exemple, sur le cours du SP500, c'est-à-dire les 500 plus grandes valeurs américaines cotées sur le marché de New York. On le voit là, ici, sur ce graphique. Et il démarre en 1928 pour aller là aujourd'hui. Alors, on voit bien les différentes crises. On voit le krach de 1929, on voit le krach de la bulle de l'an 2000, de 2008, etc. On voit toutes ces choses-là. Et pourtant, eh bien, on voit que la tendance, elle est quand même à la hausse. Et je précise également que ce graphique, il est déflaté, c'est-à-dire que j'ai retiré le niveau d'inflation pour essayer de voir les choses sans tordre la réalité, parce que sinon les gens vont te dire « oui, mais ça monte, mais comme la valeur du dollar a monté, forcément, ton graphique, il est biaisé ». Non, là, on regarde vraiment les choses en face. Donc, je veux dire, il n'y a pas photo, il y a eu de la valeur qui a été générée depuis tout ce temps. Donc, si tu veux bénéficier de cette croissance dans le temps, la méthode DCA, elle est très efficace. Alors,
ce qu'on pourrait dire, c'est que c'est vrai que tu vas moins faire de performance que celui qui va attendre le bon moment, mais en même temps, eh ben, ça veut dire que tu n'as pas à chercher absolument le bon moment pour rentrer dans le marché. Tu vas y aller, que ce soit à la hausse ou à la baisse, tu vas y aller, parce que tu sais qu'au final, après tout, eh ben, tu seras quand même gagnant. Voilà, c'est vraiment ça auquel il faut essayer de s'astreindre, finalement, c'est de faire les choses sans trop se poser de questions. Ça a des avantages, c'est que ça permet d'avancer, de se constituer un portefeuille sans se prendre la tête, sans avoir une expertise particulière, si ce n'est pour décider dans quel type d'actif tu vas rentrer. Alors là, par exemple, j'avais fait une vidéo dans laquelle je te parlais du PEA et je t'expliquais que tu pouvais tout à fait acquérir des ETF World, comme par exemple le CW8 de chez Amundi, et qui permet d'investir en un clic en près de 1700 valeurs. C'est génial, parce que dedans, tu vas te retrouver avec les fameux GAFA, Google, Amazon, Tesla, bon, voilà. Et puis, bah, ça, tu pourrais le panacher en rajoutant un ETF asiatique, par exemple, qui est moins représenté dans l'ETF World. Bon, voilà, tu vois, ça permettrait un petit peu de compenser et d'acheter vraiment la valeur du marché mondial. Et si tu faisais ça en achetant systématiquement, que ça monte ou que ça descende, tes petits ETF avec la même somme, et ben voilà, tu vas pouvoir réussir à bénéficier, à profiter de cette croissance. Personnellement, c'est ce que je fais depuis des années et devine, jusqu'à maintenant, ben, ça marche. Alors, attention, je mets quand même en garde. Ce que je dis, ça n'est pas un conseil d'investissement, ça n'est pas de dire vous devriez faire comme moi, etc. Et on va pas se mentir, les marchés sont anormalement hauts en ce moment et il est tout à fait probable qu'on se prenne une énorme gamelle dans les temps qui viennent. Mais même si on se prend une énorme gamelle, ben, il y a de bonnes chances que, à mon rythme, ben, je continue à investir gentiment, tu vois. Voilà, c'est avec cet état d'esprit que ben, j'invite les membres de ma formation à aborder leurs propres investissements. C'est-à-dire que si tu prenais la décision d'investir une grosse somme d'un seul coup, eh bien, si demain matin le marché tombe, eh bien, forcément, tu risquerais d'avoir émotionnellement un truc pas cool, quoi. Prenons l'exemple là ici des crypto-monnaies. C'est la raison pour laquelle quand on m'en parle, je dis faites attention avec les crypto-monnaies parce que la volatilité, elle est justement énorme. Voilà. Bon, et ben celui qui rentre là, ici, sur le Bitcoin, bah, tu vois, demain, il y a une chute de 20%. Ça veut dire que s'il a mis 10 000 euros d'un seul coup, et ben, il en a perdu 2 000 comme ça, en un claquement de doigts. C'est énorme. Juste parce qu'il voulait espérer. Enfin, voilà, ça, c'est vraiment de la spéculation d'espérer que le truc demain, il va aller plus haut. Je ne porte pas de jugement là-dessus, mais il faut savoir vraiment dans quoi on s'engage quand on aborde l'investissement avec ce type d'approche. Moi, je préfère essayer de faire des choses qui sont plus simples, plus raisonnées, peut-être plus lente ou un peu moins performance, mais qui vont permettre de lisser littéralement les courbes de manière à, en fin de compte, acheter une tendance générale plutôt qu'un moment, plutôt qu'une tendance plus sur le moment, quoi, si tu veux. C'est vraiment ça, l'état d'esprit. Et d'ailleurs, bah, on voit ceux qui ont investi dans des entreprises comme Apple depuis 20 ans, tu vois, sans se poser la question de savoir si l'action elle était en hausse ou en baisse. Tu vois, tous les mois, ils ont acheté 100 euros de Apple, bim, bim, bim. Bah, aujourd'hui, t'imagines, ils ont littéralement fait fortune. C'est cet état d'esprit, encore une fois, avec lequel j'aborde mes investissements et avec lequel je t'invite à aborder les tiens. Si tu veux aller plus loin, eh ben, je te rappelle qu'il y a mon programme de formation dans lequel on va beaucoup plus loin en détail et dans lequel je propose aussi un accompagnement avec les membres, d'accord ? Des accompagnements personnels en one-to-one. Il y a 4 heures de coaching qui sont inclus dans la formation. C'est énorme. Pour le prix, c'est énorme. Il y a aussi des séances de collectives. Toutes les mises à jour sont gratuites à vie, sont incluses dedans. Voilà. Pour ceux qui veulent aller également plus loin, je propose aussi maintenant un guide sur l'investissement immobilier avec 110 points clés qu'il faut absolument vérifier si tu veux éviter de perdre des dizaines de milliers d'euros et te planter sur ton achat immobilier. Avouons que ce serait bête de faire ce genre d'erreur parce que c'est des erreurs qui peuvent coûter cher. Voilà, il y a tous les liens et les descriptions dans la description de la vidéo, il y a tous les liens, tu peux aller voir. Et encore une fois, si tu as des questions, tu n'hésites pas à me les poser dans les commentaires de la vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, tu me lâches un énorme pouce. Et puis, bah, t'hésites pas à la partager sur tes réseaux si tu souhaites peut-être aider certaines personnes à s'engager elles aussi sur le chemin de l'indépendance financière. Je te souhaite une excellente journée, je te dis à très bientôt. Merci, salut, ciao.